The Force will be with you. Always. Yes, Master. The Force will be with me. Hey, salut à tous, c'est Monsieur de Tokyo. Aujourd'hui on se retrouve sur Évadez-vous avec votre sabre laser. Il s'agit d'un jeu disponible sur navigateur, donc je vous laisse le petit lien. Rien de plus simple, il faut avoir un téléphone Android ou iOS et le calibrer. Comme ici, jouant, vous appuyez ici et c'est parti pour jouer au Jedi. Donc la calibration, calibrage terminé. Allez, c'est parti, on doit s'évader d'un vaisseau le plus rapidement possible en déviant les tirs. Je vais juste augmenter le volume, excusez-moi cette micro-coupure. Allez, c'est parti. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, c'est bon, je l'ai fait plusieurs fois là. Ah, maintenant à droite. Wouhou! Donc vous êtes prêts pour votre évasion, mince. Back, pause, y va. Haha, en avant. Tintin, 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 tintin. La force est puissante en moi. Personne ne me vaincra. Je suis le meilleur. Tu mourras dans d'atroces souffrances. Donc ça reste assez simple, faut juste parer les tirs, les coups de blaster sans mourir dans un minimum de temps. Mais sauf que là, tu vois, c'est un peu plus difficile pour parer, voilà. Ça c'est chiant. Ouh, ça muscle quand même, hein. C'est pire que la Wii. Hein, notre chère défunte la Wii. Repose en paix. Chargement un peu long. Non. C'est parti. On va éliminer cette Stormtrooper et s'évader de ce vaisseau. Wouh! 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 Je suis mort. Allez, on recommence. C'est un peu chaud de tout dévier quand même. Donc du coup, fais tout un peu la va vite, hein. Ah, me faites pas chier. Ah, quoi, putain. La force n'est pas du tout forte en moi. What? Il tire trop vite. Personne ne peut me vaincre. Serait-ce un Sith? Non. Il s'agit d'un Stormtrooper. Avec une arme électrique. Qui est présente dans le set. Hein? Petit spoil. C'est pas un gros spoil. Mais bon, j'aime pas trop les Stormtroopers de l'épisode 7 quand même. Crève! Bon, faut avoir que les contrôles sont pas tip top. Hein? On peut rien faire, on peut pas avancer, on peut pas. On peut juste parer et attaquer. Ce qui est un peu assez chiant. Ouais, je commence à attraper le truc là. Touf, parade, attaque. Ah, parade, attaque. Ah, je vais te défoncer, parade, attaque. Ah, crève. Tu vas crever.
Oh. Je veux te vaincre. Oh, il est un peu dur à crever quand même, hein. Ah là là. Je suis un Jedi. Donc, on a réussi à s'évader donc en 3033. Ce qui est raisonnable. Je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu entraîné avant. Donc c'est un jeu pour navigateur. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Pas grand chose. Je vous le recommande. Je vous invite même à mettre vos scores en dessous pour comparer un peu ce que j'ai fait et ce que j'ai pu faire à vous. N'hésitez pas à mettre combien de minutes vous avez pris pour votre premier try, combien de morts vous êtes mort. Ça veut rien dire, je crois. Bref, c'était Monsieur Dutuki sur Joue avec ton sabre laser avec Google, hein, je vais l'appeler comme ça. On consiste à s'évader d'un vaisseau impérial et de tuer des Stormtroopers. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un combat contre un Sith, ça aurait été sympa, même si ça suit pas la logique du film ou de la série. Se battre contre un Sith comme ça, juste pour s'amuser avec le téléphone, ça aurait été plus sympa qu'un Stormtrooper avec un vieux truc électrique. Bref, c'était Monsieur Izutsuki, on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Peace! Yeah.